Bonjour et merci de participer à ce jeu concours du calendrier de l'Avent organisé en partenariat avec le site monoutillage.com. Nous vous proposons durant ce mois de décembre de gagner des cadeaux tous les jours, du 1er au 24 inclus. Pour participer, rien de très compliqué, il faut remplir 3 conditions. La première, c'est de mettre en commentaire sous chacune des vidéos concours « Je participe ». La deuxième condition, c'est de mettre juste après « Je participe » entre parenthèses le mot mystère qui figurera dans la vidéo. Je vous mettrai un mot mystère dans chacune des vidéos et dans chaque vidéo, le mot mystère sera différent. Et la troisième condition sera de s'abonner à la chaîne YouTube et éventuellement de liker et de partager cette vidéo si vous aimez bien gagner des cadeaux. Et croyez-moi, on vous fait gagner de sacrés cadeaux. Et vous pouvez d'ailleurs participer où que vous soyez dans le monde. On vous fera parvenir votre cadeau chez vous. Chaque jour, je posterai une vidéo à 19h et juste avant de poster la vidéo, je mettrai les résultats du jeu concours de la veille. Vous avez donc 24 heures pour jouer de 19h à 19h. Je procéderai donc à un tirage au sort et je mettrai donc en commentaire épinglé sous la vidéo pour laquelle vous aurez participé le nom du gagnant. Le gagnant devra donc répondre à ce commentaire épinglé en mettant son nom, prénom, adresse postale pour la livraison, ainsi que le numéro de téléphone pour le livreur et l'adresse mail pour la facture dématérialisée. Ne vous inquiétez pas, vos coordonnées n'apparaîtront pas en public puisque je filtrerai tous les commentaires pendant ce mois de décembre. Ils n'apparaîtront donc pas, il n'y a que moi qui les verrai. Une fois que j'aurai recopié vos coordonnées, je supprimerai votre commentaire et on vous fera parvenir votre cadeau chez vous, où que vous soyez dans le monde. Vous retrouverez l'ensemble des modalités et des conditions de participation de ce jeu concours en description sous cette vidéo. Je vous rappelle rapidement les conditions de participation à ce jeu concours. Il faudra mettre en commentaire « Je participe » entre parenthèses le mot mystère qui figurera dans la vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube, liker, partager si vous aimez bien les jeux concours. Je vous souhaite à tous une bonne chance et de bonnes fêtes de fin d'année. C'est parti. Bonjour et merci de participer à ce jeu concours en partenariat avec le site monoutillage.com. On va procéder aujourd'hui en ce mercredi 22 décembre pour la 22e ouverture de ce 22e cadeau. On vous a fait gagner durant ce mois de décembre tout un tas de cadeaux, de valises diagnostiques, de mallettes à outils, d'outils en tout genre, d'outils dynamométriques, etc., etc. La plupart d'entre vous les ont d'ailleurs reçus. J'ai reçu un certain nombre de photos sur Instagram, Facebook me montrant l'arrivée des cadeaux et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas les gagnants d'ailleurs de poster vos photos sur Instagram en taguant monoutillage.com ou monoutillage tout court, ça fait toujours plaisir. Tiens d'ailleurs à vous rappeler les conditions de participation à ce jeu concours avant l'ouverture de ce 22e cadeau. Il va vous falloir être abonné à la chaîne YouTube, mettre en commentaire sous le short correspondant à cette vidéo, le short qui aura d'ailleurs le même titre que cette vidéo, c'est-à-dire le 22 décembre. Le short est une petite vidéo de 16 secondes que je poste en même temps tous les soirs que ces vidéos où je vous présente les cadeaux à gagner. Il va vous falloir donc mettre en commentaire sous ce short « Je participe ainsi que le mot mystère que vous aurez découvert dans cette vidéo. En plus d'être abonné à la chaîne YouTube, vous allez d'ailleurs pouvoir participer sur Instagram en mettant en message privé « Je participe ainsi que le mot mystère ». Beaucoup participent déjà sur Instagram. Et si vous voulez doubler votre chance, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Alors, vous êtes en train de vous poser la question de savoir ce qu'on vous a fait gagner en ce mercredi 22 décembre. Et on vous a fait gagner quelque chose d'énorme, les amis, d'énorme. Une mallette à outils de 11,5 kg. Incroyable. Il s'agit de cette mallette à outils, les amis, de 176 pièces. On voit ça de plus près. C'est parti. Voici la mallette à gagner de la marque BGS, Do It Yourself, contenant 176 pièces. C'est une mallette à outils de 11,5 kg, les amis. Je peux vous dire qu'elle fait son poids. Hein. Alors, à l'intérieur, on va retrouver tout un tas d'outillages, de clés plates en chrome vanadium, comme on va le voir maintenant. Alors, le mieux, c'est de voir ça directement à l'intérieur. Hein. J'ouvre la mallette à outils, sachant que ce n'est pas cette mallette que vous allez recevoir chez vous, mais plutôt une mallette toute neuve avec l'emballage plastique. C'est parti! Là, je peux vous dire que durant ce mois de décembre, on vous a gâté comme jamais. Hein. Là, c'est extraordinaire. Je tiens d'ailleurs à remercier le site monoutillage.com qui a fait vraiment des efforts, mais extraordinaires. Et merci Sylvain! La mallette est d'excellente qualité, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Charnière en métal. Voici comment se présente l'intérieur de cette mallette à outils de 176 pièces. À l'intérieur, on retrouve un certain nombre de clés. Alors, ce sont des clés plates à cliquer, comme on peut le voir. Ça va de la taille 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Des clés plates droites à cliquer sans inverseur de sens. Ça, c'est très bien. De manière à ce qu'on puisse les utiliser sans que ça accroche au niveau des pièces. Dans le moteur, par exemple. Si vous voulez changer de chance, il faudra uniquement tourner la clé plate. Ça, c'est vraiment très pratique. Ce sont d'excellentes clés.
Franchement, très très bonne clé en chrome vanadium, comme c'est noté dessus. On a également les tailles qui sont notées de chaque côté et de chacune des extrémités. On a également une petite flèche qui nous indique le sens pour le serrage et une autre flèche qui nous indique le sens pour le desserrage. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça va de la taille 8 à la taille 19. Là, on a la taille 19 avec la petite flèche, comme on peut le voir, qui nous permet de savoir dans quel sens on doit tourner. Avec les différents marquages, donc c'est gravé directement dans la scie à outils. Ce sont des clés plates d'excellente qualité, hein. C'est vraiment du costaud. Hein. Donc on a des clés plates, on a également des clés Allen, clés BTR, clés courtes BTR. Alors on a la taille 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. On a également des clés Torx. Alors les clés Torx, ça va du T10 au T60, au T50 plutôt, en Torx troué. Ce genre de petits sets comme ça, là, c'est vraiment très pratique. On continue et en haut, on remarquera des douilles longues en 6 pans, carré 1 quart. Alors on a la taille 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça continue en dessous avec la taille 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Et là, on a des clés avec un revêtement, semblerait que ça soit du téflon pour les douilles, les jantes en alu. On a la taille 17, 19 et 21. D'ailleurs, il y a un code couleur. Donc ça, c'est pour démonter les jantes alu, pour éviter de les abîmer avec les clés à choc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on a également un carré 3 huitièmes pour ces douilles-là, les douilles longues-là, en carré 6 pans, puisqu'on a des cliquets 1 quart, 3 huitièmes et 1,5 dans cette mallette. Donc vous avez un bouton pour déverrouiller et verrouiller, comme on peut le voir. Ce sont des cliquets de très très bonne qualité. J'en possédais déjà un exactement le même en carré 3 huitièmes. Et je peux vous dire que c'est vraiment costaud. C'est vraiment très costaud même. Pour les débloquer, il suffit d'appuyer sur le bouton et ça se débloque tout seul. Donc ça, c'est pour les douilles longues. Carré 1 quart, carré 3 huitièmes. Ça, ça doit être des carrés 1,5. Voilà, c'est ça. Toutes les douilles en bas, c'est des carrés 1,5. En haut, on a un adaptateur 1,5. Sur lequel vous allez pouvoir mettre cette rallonge pour pouvoir venir faire levier par exemple. Ça, c'est vraiment très pratique. On a également un adaptateur pour les embouts. Alors c'est vraiment bien clipsé. Ça, c'est vraiment pas mal. Comme on peut le voir, carré 1,5. Et on va pouvoir venir y mettre les embouts comme ceci. Avec un système de bagues et de petites billes, hein. C'est vraiment très pratique ça. C'est vraiment très très pratique. On a également un autre adaptateur ici, sur lequel également on va pouvoir venir installer un embout. On passe donc directement aux embouts. Alors les embouts, il y a différents embouts. Alors c'est les embouts que vous allez pouvoir mettre sur ces adaptateurs là, où vous avez également des douilles embouts, comme ça. On va pouvoir installer ça directement sur le cliquet 1 quart. Vraiment très pratique. Le cliquet 1 quart est pareil, il est déporté. Avec un inverseur de sens. Et un bouton pour expulser la douille, pour la bloquer également. De ce côté-là, on a un quart dans 1 quart. On a également deux rallonges 1 quart. De différentes tailles. Une petite et une longue. On a un quart dans 1 quart. On a des douilles à bougie. Alors au niveau des douilles à bougie, bah, c'est toujours pareil. On a les trois tailles. Du 16, du 18 et du 21. Comme on peut le voir à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'intérieur. Mais il y a de quoi retenir les bougies. On a un quart dans en 3 huitièmes. Puisqu'on a un... Puisqu'on a un cliquet en 3 huitièmes, on a également un cardan en 3 huitièmes. Donc c'est vraiment très pratique. On a également toutes les douilles. On a des douilles Torx. Ça, ce qui est vraiment très rare. C'est très utilisé, hein, par exemple, chez Volkswagen, enfin chez Audi et Volkswagen. On retrouve ce genre de vis.
Et on a également des douilles 6 pans, 3 huitièmes. 3 huitièmes de pouce, ça va de la taille 4 à la taille 19. On a vraiment toutes les tailles. Du 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, machin, jusqu'à 19. On a également des embouts, de très gros embouts même. On a jusqu'à du la taille 14 en 6 pans. On a un cliquet 1,5 avec un inverseur de sens, pareil, de quoi bloquer la douille. On a une rallonge en carré 1,5, une longue et une courte. On va pouvoir d'ailleurs les mettre toutes les deux, comme ceci, pour faire une très longue. Pas de jeu, c'est vraiment d'excellente qualité, il n'y a rien à dire. On a également des grosses douilles Torx. Là, on avait des petites douilles Torx. Et là, on a des grosses douilles Torx en carré 1,5. Le cliquet en carré 1,5 est vraiment très balèze. Il n'y a rien à dire. Je peux vous dire que vous pouvez y aller là. Pour que ça casse, il faut vraiment, vraiment y aller. Et on a également des douilles 6 pans. Comme on peut le voir. Alors, ça va de la taille 10 à la taille 32. On a également un cardan 1,5. Comme on peut le voir. Là, c'est vraiment une mallette complète que vous propose monoutillage.com. Avec à la fois des clés plates, des cliquets, un quart, 3 huitièmes, 1,5, avec des douilles spécifiques, douilles Torx, douilles longues, douilles courtes, douilles en 3 huitièmes, douilles pour jantes, etc. Enfin là, c'est vraiment une caisse à outils qu'on vous propose de gagner en ce mercredi 23 décembre. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo pour trouver le mot mystère, pour remporter cette mallette à outils de 11,5 kg. On vous fera parvenir chez vous, où que vous soyez dans le monde, les amis, ça c'est exceptionnel. N'hésitez pas à marquer « Je participe », le mot mystère sur YouTube ou Instagram en message privé. Je vous souhaite à tous bonne chance et à demain pour le 24 décembre pour l'ouverture finale de la valise diagnostique à 880 €, les amis. C'est exceptionnel. Ce mois de décembre aura été vraiment exceptionnel pour vous, les amis. Je vous dis à très bientôt et merci de votre participation.